Oui, salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec la Dream Team. Lia. Salut. Et Momo. Bonjour. Ça se dit la Dream Team? Ouais. Ok, parfait. Bref, en tout cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous allez devoir regarder du début jusqu'à la fin parce qu'elle est importante. Autre petite chose avant que je commence. Momo, pendant que vous regardez cette vidéo, finissez-la d'abord, est en train de faire un live où Momo doit garder la main posée sur un téléphone pendant 3 heures assis et il doit se lever après et il doit le faire pendant 3 heures debout. Ça se passera en live sur Twitch. Demain, la vidéo sortira sur YouTube. En tout cas, je compte sur vous pour aller voir s'il va gagner l'iPhone X ou pas. C'est à vous d'aller le voir. Le lien du live est en description. Donc, si vous voyez un trou du cul en train de tenir un iPhone pendant 6 heures comme ça sur Twitch... Oui, c'est normal, d'accord? Donc n'hésitez pas à le rejoindre sur Twitch, le lien est en description, j'insiste, on vous met le lien en première barre, ok? N'oubliez pas également aussi votre tonton, votre tata et votre petit Momo vous ont énormément fait plaisir. Je suis en train de vous faire gagner également aussi un pack YouTubeur. Pack YouTubeur, c'est-à-dire une webcam, un micro et un boîtier d'acquisition, c'est-à-dire à peu près pour 500-600 euros de matériel. Je vous fais gagner un à moi sur mon Instagram, qui est en description. Et je vous en fais gagner un avec mon partenaire Avermedia sur mon Twitter. Donc c'est simple, vous allez rapidement sur Instagram, vous me suivez, vous allez participer au concours, vous allez sur mon Twitter, vous me suivez, vous participez au concours, et juste après, hop, vous allez rejoindre Momo sur Twitch. Voilà. Tout simplement, d'accord? Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêts les tourtereaux? Oui. Ok. Bon, ça va être une vidéo où on va vous dire qu'est-ce qu'on compte faire pour cette année 2019. Parce que, on va pas se mentir aujourd'hui, vous faites un peu partie de notre vie parce que vous nous suivez tout le temps. Même en vacances, quand on était à Cannes, tous les jours, vous étiez avec nous à n'importe quelle heure. Même quand Kenny regardait des films chelous et qu'il mettait ça à fond dans toute la baraque sur le poste Wi-Fi, vous étiez là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, en tout cas, plus sérieusement, on va aujourd'hui parler de quelque chose qui est pas mal. C'est Momo qui a eu l'idée. De quoi tu voulais qu'on parle, Momo, aujourd'hui avec les abonnés? De nos ambitions pour 2018. Résolution. Ouais, pardon. Je savais. 2019. Deux, pour nos résolutions de 2019. Voilà, déjà 2018, frère, le mec il est en 2017 dans sa tête, déjà il a 2 ans de retard. Ses ambitions, elles sont déjà 2 ans en arrière. Bon, plus sérieusement, les ambitions, c'est pas pareil que... L'ambition et la... Résolution, ouais. Voilà, c'est pas pareil. Tu viens de le dire. Voilà, l'ambition c'est une chose que tu veux, la résolution c'est quelque chose que tu veux changer, comme elle a dit hier, ok? Ah. Donc n'oublie pas. Ok? Ok. Voilà. Bon, bref, maintenant je vais vous dire, moi... personnellement, ce que je veux changer. Déjà, moi, ce que je veux changer, vous allez le voir ce soir à partir de 22h30, 23h, c'est ma voiture. On va partir sur un truc un peu plus gros que la RS. Forcément, un petit peu plus cher. Comme j'ai dit, on reste toujours dans nos moyens, alhamdoulilah, ya Rabbi, tant que Dieu continue à nous donner, il faut en profiter, il faut vivre. Alhamdoulilah, même si on dit que le paradis n'est pas sur Terre, si on a les moyens de se le créer sur Terre, entre guillemets, hein, d'accord, ça peut faire plaisir, ok? C'est aussi faire ma marque de SAP. C'est un changement aussi pour moi, parce que ça m'a apporté un autre revenu que YouTube. D'accord? Cette année 2019 va normalement commencer très grande pour la chaîne GameX13, étant donné qu'il y a des projets que pour l'instant je n'ai pas le droit de dire. Quand je dis des projets que je n'ai pas le droit de dire, je vous parle de projets qui passeront peut-être à la téloche. Je parle pas de YouTube, parce que des fois, quand tu parles de projet pour certains, ils vont se dire « Ouais, mais c'est un projet minime. » Non, non, c'est pas un projet minime. Normalement, Inch'Allah, Ya Rabbi, si Dieu est là, si Dieu nous aide, c'est un gros projet avec lequel on va commencer en 2019 avec Lia, Momo et moi. D'accord? Il y a les vêtements, comme je vous ai dit. Il y a le véhicule. Inch'Allah aussi, un grand changement dans notre vie, c'est de ne plus avoir que des chiens comme bébés, mais d'avoir un vrai bébé. C'est ce qu'elle me dit ma grand-mère. Elle me dit « Vous avez plein de chiens bébés, hein, vous avez des bébés chiens. » Mais elle me dit « C'est quand vous me ramenez un petit bébé ?» Hein, avec deux bras, hein, deux jambes, c'est quand? Ben, bientôt, bientôt, d'accord? Ça, c'est mes ambitions à moi. Maintenant, on va aller aux ambitions de Momo. Tes ambitions. Le meilleur pour la femme. Tes résolutions. Tes résolutions, les pardon. Femmes avant, pardon. Tu es... Mec, t'es respectueux. Normalement, c'est les femmes avant. Moi, tu vois, mais non, le meilleur pour la fin, la hamar. Déjà, pour moi, que t'es cool ou pas? Pardon? Pardon. Est-ce que, déjà, mes résolutions, pour commencer. Ouais. Pour commencer par le commencement, prendre la douche plus souvent. Ah ouais, ça serait pas mal. Alors, applaudissons quand même, parce qu'on a oublié d'applaudir pour les résolutions. Il faut applaudir, les gars. Eh, devant votre caméra, derrière votre caméra, j'en ai rien à foutre, vous applaudissez aussi. Voilà, bravo. Voilà. Bravo. Ma deuxième résolution ouais. que je vais faire, je vais avoir des bonnes
Meuf. Je prends des belles meufs. Je croyais qu'il allait avoir des belles notes. Non. Je vais pas dire ça du tout. D'accord. Des jolies filles. Je te rappelle que souvent les filles sont beaucoup plus jolies que toi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, continue quand même. Vas-y. Ma troisième résolution, c'est de ne plus avoir des heures de jeu. Faut que j'arrête de jouer. Tu sais, il y en a beaucoup des abonnés qui jouent à la play et qui ont des. Ma quatrième résolution, c'est. Est-ce que t'es prêt ou pas? Vas-y. Ah, vas-y, accouche, Momo. De plus aller au collège. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, mec. C'est une perte de temps. Je connais déjà tout. Il faut arrêter d'aller au collège. Il faut arrêter de dormir aussi. Tu sais, on dit que la meilleure école, c'est l'école de la vie. Mais d'abord, commence par l'école de l'écriture. Faut que j'aille à l'école de la lecture. Rue. Ça serait déjà bien. Alors, est-ce que c'est bien mes résolutions? J'ai connu mieux. Ouais, j'ai connu mieux quand même. C'est bien ou pas? Ouais, arrêter le collège, c'est pas mal ça comme résolution. Non, parce que là, c'est une perte de temps. Hein. Tac, tac, piquet, pitagore. Bah, du coup, moi, on m'avait pas dit que j'avais une résolution aussi, c'est de faire un grand match de boxe contre mon frère sur TF1, quoi. Hein, où je lui pulvérise la gueule devant toute la France. Vas-y, ça serait pas mal comme résolution. Oh, on se la met, frère. Ah non, je te la mets, tu mets rien du tout. Si, je te la mets. Ma femme, tu veux y aller du coup, parce que ces résolutions, c'est la grosse merde. Quoi? Je crois que c'est que du troll. Tu quoi? Ta résolution, c'est d'arrêter le collège? Bah, c'est une perte de temps. Hé, hey, tu crois que tu as tapé quelqu'un, tu as sorti le théorème de Thalès? Non. Non. Bon, c'est une perte de temps, le collège. Non. Ma prof, je lui ai dit quoi? Je dis madame. Elle m'a dit, c'est très important, le collège. 7 x 8. Hein? 7 x 8, 42. Non. Si, non. C'est combien? Vas-y, dis, je reviens. 42, mais c'est 42. Il sait vas-y, même pas. J'ai dit au pif, 42, il m'a dit quoi? Vas-y. Bah moi, c'est des trucs très banals, hein, mais je sais que Momo il va rire. Déjà, j'aimerais en 2019 pouvoir réussir à arrêter de fumer, parce que pour ceux qui ne fument pas, ça a l'air simple. Ouais, ouais. Mais c'est hyper compliqué d'arrêter de fumer. Non. C'est vraiment trop compliqué d'arrêter. Ensuite, c'est des résolutions un peu trop cheloues. Mais quoi? Ah, je sens qu'elle va me tailler moi là. Non. Ah. J'aimerais arrêter de me faire des couleurs dans les cheveux. Et ça, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Parce que je fais H24 des couleurs dans mes cheveux. J'aime toujours changer de couleur, oui. Et je suis en train de complètement. Comme beaucoup de femmes, mais il y a même plein de mecs qui aiment bien changer de couleur de cheveux. Ça, c'est pas un défaut. Hein. Non. Si, ça, c'est un très gros défaut quand tu as les cheveux qui commencent à ressembler à de la paille ouais. Et que tu ne t'arrêtes pas. Voilà. Bref, continue. Donc, j'aimerais arrêter ça pour 2019. Voilà. J'aimerais aussi changer de gamme de sac à main, d'arrêter les sacs à main à 300 euros et peut-être passer à des sacs à main à 100 euros. Et pourquoi pas passer sur du 2 chiffres? J'ai un sac à main à 20-30 euros, c'est bien aussi. Non, parce que j'ai beaucoup trop de sacs et je pense que je fais une obsession des sacs et je pense que c'est quelque chose que je dois régler. Bah oui. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi aider Abdel dans sa quête de cheveux. Alors ça, on n'est plus intéressant. C'est un rack. J'aimerais vraiment qu'on fasse une grosse résolution là-dessus. Ouais, mais la résolution aussi, je pense. Non, c'est vrai que ça, c'est une bonne résolution pour moi, avoir des cheveux en 2019. Elle a dit quoi? Elle a dit, on va lui faire pousser les cheveux. Elle a dit ça comme si c'était arrêté de fumer. Ensuite, j'aimerais, dans cette année 2019, du coup, pouvoir avoir un enfant et aussi pouvoir me marier. Parce que ça fait 8 ans que nous sommes ensemble et nous ne sommes toujours pas mariés. Et ça commence à me gonfler. Non, mais je t'ai demandé en patch. Et... En pax. En pax. Je t'ai demandé en pax et ça, c'est bien déjà. Oui, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Le mariage. Non, mais justement, c'est pour que, déjà, comme j'ai dit aux abonnés la dernière fois, déjà, c'est pour que notre enfant soit reconnu. C'est-à-dire qu'ils disent pas que, genre, la mère est célibataire, tu vois. C'est pour ça que c'est important. Les trucs, le problème en France, c'est qu'un mariage, ça prend 2 ans, frère. Tu vas à la mairie, tu leur dis, ouais, une date, frère. Ils vont ouais, mais il faudrait peut-être que déjà. Dans un an et demi, frère. Non, mais attends, je vais gueuler un coup dans cette vidéo, vite fait. Quoi? J'ai rien dit, mon cœur, j'ai rien. Déjà, avant de commencer les préparatifs, il faudrait peut-être qu'un jour tu me demandes en mariage, parce qu'un pacte, c'est bien, mais tu m'as toujours pas demandé en mariage. Et si ça prend 2 ans, alors je peux te dire que dans 15 ans, on est toujours pas mariés, parce que t'as toujours pas fait ta demande. Donc il serait peut-être temps, j'aimerais bien, tiens, que ça soit une résolution pour toi, que tu demandes un jour ta femme en mariage. Alors, donne-moi ta grande gueule, Michel. Bah alors, écoute, je t'ai demandé en pacte, on va déjà se paxer. Et puis après on se marie. Ouais, je te demande en mariage, c'est bon. Déjà pas que c'est vrai. Oui. Tu penseras un jour à Inch'Allah. Inch'Allah. Mais faut pas que tu me dises non. Elle met un gros nom pour rigoler. Ouais, je pense. Ouais. Je vais lui dire non parce que j'aurais trop attendu. Ouais. Allez. Ouais, mais c'est bien. Hein, regarde, ça veut dire qu'on. Ça veut dire qu'on est un couple qui a quand même passé du temps avant de se marier et qu'on a pris notre temps de bien se connaître. Ah bah oui, bah, 8 ans. 8 ans, ça va faire. Au bout de 10 ans, on se mariera, mais. Ouais, mais regarde. Pas mal, hein. Regarde.
J'ai pas les papiers français. Si j'aurais voulu profiter, ça fait longtemps que je t'aurais demandé ta main pour avoir les papiers. Non, alors... ça c'est parce que juste que je voulais pas t'épouser au début, c'est tout. Oh là là là. C'est une menteuse, c'est pas vrai. Rigolez pas, vous derrière votre écran, c'est une menteuse. Du roi là. Oh non, mais voilà, c'est pas vrai quoi. Ah, voilà, c'est pas vrai, d'accord, rassure-moi, tu m'as fait peur. C'est chaud là, on vient après des trucs comme ça. Non, 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 en fait, il m'a déjà demandé en mariage. Non, c'est parce que moi, je suis un Algérien pur, j'ai mes papiers algériens, tout ça. Ah, c'est vrai. Oui, il m'a demandé en mariage une fois, je lui ai dit non. Oui, après, elle t'a dit non. Jure-Allah. Il m'a dit, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, il m'a dit, écoute, j'ai pas les papiers français, est-ce que tu veux bien m'épouser? J'ai dit non, pas pour les papiers quand même. Jure-Allah. Vas-y, jure-Allah. Non, voilà, c'est pas vrai. T'es fou, frère. J'aurais été le mec le moins discret. Tu m'épousais pour les papiers? Chérie, ça fait 3 mois qu'on est ensemble. En plus, il y a 3 mois, j'avais pas de YouTube Money quand on s'est connu à 3 mois et tout. J'étais pas sur YouTube. Il y avait pas YouTube Money et tout, genre pour lui donner de l'argent, frère. J'aurais donné quoi, frère? Des tacos, frère. J'aurais payé en frites. Je l'aurais payé en canette, frère. Tu rigoles ou quoi? J'avais rien, frère, quand on s'est rencontrés 3 mois. Bon, est-ce que je peux me faire mes vraies résolutions? Me mettre au sport et perdre du poids, parce que je suis gros quand même, tu vois. T'es fort. Non, mais c'est que du muscle. Non, pas toi. Après, si tu veux, on peut t'aider. On peut faire courir Nala derrière toi, tu vas perdre très vite. Non, pas du tout. Ça, c'est vrai. Je vais faire de la boxe. Voilà. Je vais mettre de la boxe. Non, pas sur lui. Pas sur lui, sur moi. Non, arrête. Mais je voudrais vraiment commencer ma chaîne, tu vois. Parce que toi, tu vois, tu en passes à un PC ou quoi, tu vois. Et je vais vraiment commencer ma chaîne. D'accord. Ensuite, comme je dis, je veux perdre du poids et me mettre au sport. Et ensuite, ma dernière résolution, c'est que Nala arrête de mordre et que je sois un peu plus autoritaire. Toi ! D'accord ? Maintenant tu vas coucher ! Dépêche-toi ! Va coucher, allez ! Au panier ! Tu veux pas répéter, hein ? Oh non, arrête là. Non, je suis pas d'accord là par contre. Là. Non, Fifi, je rigole, bébé. Comment tu parles à mon chien, toi ? Oui. Arrête, non, non, je t'écoute pas. Elle t'a écouté pour une fois. T'écoute pas, ma fille. Je suis choquée. Ah, parce qu'il a fait énervé. L'autorité, les gars. Mais tu veux l'autorité? Tu me dis un non, mot. Non, ma bébé, mon bébé. Tu veux que je sorte un mot pour voir si t'es autoritaire? Galoche-moi comme tu veux, vas-y, je t'achète. Oh. Non, c'est bon, arrête. Bon, bref, en tout cas, les frères et sœurs, j'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Lia, Momo et GameX13. A très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Abdel pour les intimes, hein, parce que GameX13, ça va 2 minutes. Hein. GameX13